Elles se comptent en France sur les doigts d'une main. La chance là d'en fait partie, voici une bière d'abbaye fabriquée en Dordogne. Une bière d'abbaye, il faut qu'elle ait un côté assez liquoreux et un résiduel en bouche assez sucré pour pouvoir être assez gourmande et parfumée. Voilà, avec un taux d'alcool assez important, si possible, et avec différents malts. Johan et Jonathan ne sont évidemment pas moines, mais sur l'étiquette, il y a bien l'abbaye de Chancelade, et ça, ce n'est pas un hasard. C'est des bières sur lesquelles on reverse des royalties pour l'abbaye, pour l'aider à se rénover. Une idée née en 2019 et aussitôt validée par les chanoines de Chancelade, condition sine qua non pour arborer le nom de bière d'abbaye. Ils sont venus à notre première fête médiévale où ils avaient fait un échantillon de bière, voilà, et elle a beaucoup, beaucoup plu. Donc voilà, après, on a lancé avec la bière en bouteille et je crois que là, c'est une belle aventure en commun. Nous, ça nous plaît aussi, deux jeunes brasseurs qui se lançaient. Ça donne une dimension humaine à toutes nos actions. Grâce au versement de 20% des bénéfices à l'abbaye, plusieurs projets pourront être menés à bien, comme la création d'un jardin médiéval ou encore celle d'un vitrail sur cette fenêtre. Dans un premier temps, il va falloir réparer donc, les différentes parties qui sont abîmées, hein, puisqu'on voit que dans le quadrilobe d'en haut, il manque une partie. Et après, donc, le maître verrier qui sera choisi, qui n'est pas choisi encore, donc, fera un moulage de chaque forme pour pouvoir adapter son vitrail vraiment très précisément. La vente de ce produit va vraiment avoir un intérêt pour l'abbaye. Donc c'est vrai que ça, si on peut aider en même temps, en faisant du business, en même temps aider, c'est que... On préfère allier les deux. 100 000 bouteilles de la Chancelade seront produites en 2021, principalement distribuées chez les cavistes et en épicerie fine.